Après une petite pause bien méritée, me revoilà sur YouTube. Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de reading vlog, mais écoutez, j'ai reçu un livre hier et je me suis dit non, faut que je fasse ce format avec ce livre. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, il s'agit de Rose et Massimo de Félix Radu aux éditions Fayard. Pour la petite histoire, là on est le 28 mai, j'ai reçu le livre le 27 mai et à la base le livre devait sortir le 31. Et moi j'étais toute contente hier de poster ma story en disant bah, j'ai une belle surprise dans ma boîte aux lettres et je me rappelais plus exactement quand le livre devait sortir. Et je vous laisse avec la story de Félix. Heureusement il l'a pris avec humour. Rose et Massimo, c'est une pièce de théâtre, et vous allez me dire, mais Laura, tu ne nous présentes jamais des pièces de théâtre. C'est faux, je vous ai présenté Grande Armée. C'était il y a un bout de temps, j'avoue. Il faut savoir qu'à la base, la demoiselle que vous avez devant vous, elle a une licence théâtre renforcée de la Sorbonne Nouvelle. Il m'en reste plus grand chose, mais j'ai le diplôme. Je vous avais déjà expliqué que j'avais eu un dégoût des classiques du moment où j'avais dû les étudier au lycée, et bien il s'est passé exactement la même chose pour les pièces de théâtre du moment où je suis arrivée à la fac. Ça a été 3 ans d'enfer, 3 ans où j'ai été dégoûtée même de la lecture tout court. Et j'étais dans une fac où j'étais pas à l'aise. À la fin j'y allais que pour mes amis, hein. Je vais pas vous mentir. À la fin c'était ça. J'ai pas du tout adhéré à la mentalité de la licence théâtre, j'ai pas du tout aimé mon expérience. Ils avaient fini par me dégoûter du théâtre alors que j'avais grandi dedans. Mes parents m'ont élevé avec du théâtre, je comprends pas. Ils ont fini par me dégoûter du théâtre alors que j'allais voir plein de pièces avant. J'ai repris doucement à prendre du plaisir à lire des classiques et à lire du théâtre du moment où en fait j'étais éloignée du milieu éducatif. Faut le dire, c'est vrai. Et effectivement, c'est pas le contenu que je vous propose d'habitude, mais il m'arrive, pour mon propre plaisir, de lire du théâtre ou de lire des classiques. Là, dans le placard derrière la caméra, il y a On ne badine pas avec l'amour, il y a Cyrano de Bergerac, il y a du Alexis Michalik, il y a du Wajdi Mouawad. Je les lis pour le plaisir, et simplement pour mon plaisir. En ce moment, je suis en train de relire pas mal de pièces de théâtre que j'ai achetées de ma propre volonté, parce que les autres, je les ai revendues. Et là, quand j'ai vu que Félix sortait une pièce de théâtre, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais écouté ses chroniques radio, si vous n'avez jamais écouté les chroniques radio de Félix Radu, mais allez les écouter, c'est magnifique, c'est très beau. Je vais quand même vous lire le petit résumé derrière. Massimo est un jeune poète oisif. Un matin, son ami Aldo le réveille à la hâte. Il faut qu'il le remplace pour son cours d'italien auprès d'une princesse. Une princesse? Que va-t-il lui dire? Que doit-il lui apprendre? L'italien? Il ne le parle pas. L'amour? Il n'en sait rien. Parler de lui? Impossible. Rose et Massimo, ce sont un peu les enfants de Roméo et Juliette. Des enfants terribles qui, s'étant introduits dans la chambre de leurs parents en secret, auraient dévalisé tout ce qui leur plaisait. Dignes représentants de leur jeunesse et de leur temps, un hommage émouvant et moderne au jeu de l'amour et du hasard par cet Edmond Rostand 2.0. J'adore Edmond Rostand. Voilà, si vous ne le saviez pas, j'ai vraiment de l'amour pour Cyrano de Bergerac. Je trouve que cette pièce est incroyable, est un petit bijou. C'est du théâtre qui se lit, qu'on se surprend à relire parfois, car la phrase est jolie, car il est bon de redécouvrir cette langue romantique. Et lorsqu'elle est maniée avec autant de dextérité, on se dit qu'un auteur est né, Alexis Michalik. Ah ! Et bien comme quoi, le fait que j'ai cité Alexis Michalik juste avant est une très belle coïncidence. Je n'ai aucun doute sur la plume de Félix. Je vais pas vous mentir, je sais d'avance que je vais aimer. Voilà. Je ne suis probablement pas la personne la plus... comment dirais-je ? Bon, je suis déjà influencée, quoi. Je suis convaincue que cette pièce de théâtre va me plaire, je n'ai même aucun doute, parce que, vu la beauté des textes de Félix, je n'ai aucun doute. Je suis déjà un public conquis, en fait, je crois. J'ai préparé quand même ceci. Alors, je n'annote jamais mes romans, comme vous pouvez le voir derrière moi, mais j'annote énormément mes pièces de théâtre, mes classiques et la poésie. C'est les seuls livres que j'annote. Sinon, tout le reste, je refuse d'annoter, mais les pièces de théâtre, les classiques et la poésie, j'annote toujours parce que j'aime garder les très belles phrases très bien construites et je sais que Félix est capable de faire de très belles phrases très bien construites. Donc écoutez, c'est parti pour lire Rose et Massimo.
Bon, j'en suis à la moitié. Je me délecte du livre, comprenez bien, parce que là, vous voyez, ça fait le troisième jour que je tourne. Je le dévore, mais lentement, parce que je veux profiter de chaque moment. Ça se voit, regardez. J'ai mis des petits post-it un peu partout, là où les phrases m'ont marqué et que je les trouvais belles. Il y a beaucoup de post-it. Du coup, on en est à 50 pages, ouais. Ça fait déjà beaucoup de post-it pour 50 pages. Pour le moment, la scène qui m'a le plus marquée, c'est une histoire... Comment dire pour pas vous spoiler? C'est une scène où il y a une partie avec les yeux fermés. Et vraiment, j'ai réussi à me projeter littéralement dans cette scène. Et je la trouve absolument adorable. Juste, mon cœur s'est emballé pour cette scène. Je l'ai adorée. Je ne sais pas si j'aurai un autre coup de cœur pour une autre scène à l'intérieur, mais celle-là, je l'ai adorée. Donc écoutez, je vais aller finir ce livre et j'ai envie de vous dire que de toute façon, je vous donnerai un avis rapide en fin de vidéo, mais un avis plus poussé en chronique dimanche. Donc surtout, restez connectés. Bon, j'ai pas filmé plus d'images parce que j'ai terminé le livre quand j'étais chez le coiffeur. Et du coup, j'allais pas emmener ma caméra chez le coiffeur en fait. J'en suis pas encore à ce niveau-là. Il est possible, je dis bien possible, que j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux. Un chouille. Il y a de très bons twists dans cette pièce de théâtre, je peux vous le dire. C'est très bon. Et écoutez, ça m'a donné envie d'aller la voir au petit Montparnasse. Donc je verrai quand est-ce que je pourrai y aller. Mais je vais y aller parce que j'ai envie de voir cette pièce. Ça va faire tellement longtemps que je suis pas allée dans un théâtre parisien. Je me souviens même plus de la dernière fois. C'est vous dire si cette pièce est bonne, parce que je me déplacerai pas si la pièce était mauvaise. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne sur scène. En vrai, je suis curieuse. Je suis vraiment très curieuse. J'ai adoré. J'ai tout simplement dévoré la pièce. J'ai adoré chaque mot. La manière d'écrire de Félix est incroyable. Félix, si tu passes par là, bravo. Vraiment bravo, parce que là... Non, c'est un coup de maître. Ouais, un coup de maître. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on se retrouve dimanche pour en parler plus amplement. Mais... je vous conseille déjà à 10 000% de l'acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez donner de la force à Félix, hein, allez-y. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !